un château de fenouillet. Et ta vie. On y arrive. Ah, j'aurais dû prendre ma lampe torche, moi. Tiens, ça tue les jambes, cette côte. Ça fait haut quand même, hein. Et donc là-bas, il y a un autre truc. Bon, on va pas y aller. Hein. On ira point. C'est quoi qu'il y a là? On peut y accéder de l'autre côté, ça. Trop forcé. Ouais. On fait le tour. Deux, trois. Allez. On va essayer de trouver. Ah oui, là, ça donne au... C'est vrai qu'on a vu là, le petit tunnel, je sais pas quoi. Ah, un petit lézard. De l'autre côté de tout à l'heure. Je sais pas trop quoi ça pouvait servir à l'époque. Peut-être une citerne. Ou... Enfin bref. Et comme c'est bien foutu. Il va être magnifique ce château. Et là-bas, on dirait qu'il y en a un autre aussi. Mais bon, là je suis cul, moi. Je suis pas taillé dans la roche, moi. Hop. Regardez ça. Regardez ça comme c'est magnifique. Trop bien fait. Là, les meurtrières. Regardez. Hop. Ouais, avec les archers là. Là, ceux qui ont construit le château là, ça fait bien longtemps qu'ils sont en train de bouffer les pissenlits par la racine, hein. Voire même qu'ils ont arrêté de les bouffer. Ça va peut-être remonter là. On va aller par là.
façon comme c'est fait, c'est voûté. Hein, une petite voûte. On peut le voir sur les bords. Bah, les trucs en métal n'y étaient pas à l'époque. Il n'existe pas ça. Ça c'est de maintenant. Donc là, à mon avis, vu comme c'est fait, ça devait être une petite pièce. Mais ça devait être. Après. Ce château il doit être pas mal hein. Quand il est entier il ne doit pas être trop mal voilà. Si on peut passer si on peut monter on peut monter oui mais on ne sait pas si tu peux avoir accès là-haut. Voilà quoi. Tout ça, tout ce chemin juste pour ça quoi. C'était quand même assez épais les murs. Hein. Voilà. Et voilà quoi. Le château de Fenouillet. Pour y accéder, il faut grimper. Par où, je ne sais rien. On dirait que celui-là, ça grimpe, alors l'autre. Ça grimpe encore 10 fois plus. Ça fait partie des sorties du week-end. Messire. Messire, ça pue. Jacouille, la fripouille. Bon, ben voilà. Voilà le petit tour. Par là, ça
trop se casser la goule, quand même. Parce que c'est bien, bien rocailleux, quoi. C'était c'était construit carrément sur de la roche, quoi. Là, on est sur la petite sur le genre de petit tunnel. Voilà. On est sur le petit tunnel qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. En tout cas là les murs là avec les pierres comme ça sont pas mal. Avec les pierres là qui font l'angle du. L'angle là sont très belles. C'est pas mal. C'est des ruines, hein. Une ruine. Par ça, rien de spécial. Hein. Mais quand même, on voit que il était là pour défendre. Enfin, je vous expliquerai ça dans la vidéo. Parce que de tête, en ce moment, j'ai du mal. Donc, j'ai le cerveau qui dort. Le cerveau qui dort parce qu'à force de se lever à 4h du matin, là, il suit plus. Là. Là, il est en mode normal, mais. Là, là, les autres fonctionnent, ne fonctionnent plus. Voilà. Bon, ben, on va redescendre. Sans trop se casser la gueule, sans trop déraper. De temps juste pour ça. Bon, c'est vrai que quand on le regarde sur le satellite avec Google Maps, c'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte, quoi. Voilà. Là, c'est vrai que ceux qui ont construit ça. Et allô fort, fort longtemps. Je crois que c'était avant 1000. C'était en 900 et des poussières, je crois. Et regardez là, comme c'est pas mal, c'est bien fait là. C'est pas mal. C'est trop bien fait. C'est un papillon. Regardez. Un petit peu que ça s'est quand même cassé la gueule, quoi. Pas que j'aille plus loin là. Non. Pas que j'aille plus loin.
se rentre à la maison. Et là, vous voyez, il y a des morceaux de mur encore. Les murs qui vont jusque là. Fin de la visite. Ciao.